Bonsoir et bienvenue à tous dans ce magazine des sports sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Tout de suite, le sommaire. Alors que le football est totalement à genoux en Afrique à cause du coronavirus, certains pays pensent déjà à la saison 2020-2021. C'est le cas de la Guinée qui a annoncé la reprise de son championnat pour le 2 octobre prochain. Énième rebondissement Côte d'Ivoire pour les élections à la tête de la Fédération de football. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, FIFPRO, a suspendu l'Association des footballeurs ivoiriens. Et puis on connaît désormais les équipes de la Premier League qualifiées pour les compétitions européennes. Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea joueront la Ligue des Champions. Leicester et Tottenham ont obtenu leur ticket pour la Ligue Europa. Focus Sport, c'est tout de suite et maintenant. Une fois de plus, bonsoir et merci de faire confiance à la Belle pour vous renseigner dans le cadre de l'actualité sportive. Nous allons présenter ce magazine en compagnie de Fabrice Kitry. Fabrice, bonsoir. Bonsoir, parfait. Il est également avec nous, Rogers, bonsoir. Bonsoir, parfait. Et depuis le Cameroun, précisément de la ville de Douala, nous avons également François Bilin. François, bonsoir. Bonsoir, parfait. Bonsoir à Kitry et à Rogers et bonsoir à toute l'équipe de la Belle TV. Focus Sport sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine, commence avec la rubrique grand format qui s'attarde sur une actualité en rapport avec la Guinée qui a pris le devant par rapport à la saison sportive 2020-2021. En Guinée, la Ligue de football professionnel a dévoilé la date du championnat de la saison 2020-2021. L'information a été rendue publique au cours d'un point de presse qui s'est tenu ce 22 juillet. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Mathurin Bongoura, a en effet annoncé les couleurs de la rentrée sportive plusieurs mois aux arrêts pour des raisons liées au Covid-19. Le championnat de première division démarrera officiellement le 2 octobre prochain, tandis que celui de la deuxième division débutera deux semaines plus tard. Après la rencontre du bureau exécutif, il a été décidé de reprendre la Ligue 1 les 2 et 3 octobre prochains. Et la Ligue 2 démarrera deux semaines plus tard. Mais on va aussi suivre l'évolution de la pandémie à coronavirus, a déclaré le premier responsable de la Ligue. Durant ce point de presse, le président de la Ligue de football professionnel a souligné que les matchs de la saison prochaine en Ligue 1 se joueront uniquement sur les pelouses de gazon naturel et synthétique. Si les conditions sanitaires le permettent, le championnat sera de retour à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs saisons, le championnat se jouait exclusivement à Conakry, la capitale. Soulignons que sous réserve des recommandations de l'État, le championnat reprendra à huis clos. Élément signé Zita Avon, messieurs, Fabrice Kitry, la Guinée a pris les devants, faut-il suivre l'exemple de la Guinée aujourd'hui? On va dire que est-ce qu'il faut suivre l'exemple de la Guinée? Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les gouvernements, les grands décideurs de la reprise, parce que si le gouvernement n'a pas autorisé, donc la fédération guinéenne, la ligue guinéenne peut dire que on est prêt pour un départ. Donc il faut attendre d'abord les autorités compétentes, capables de dire c'est possible de reprendre. Maintenant, oui, il faut, c'est bien parce qu'il faut que le football africain réussisse à trouver son élan. Il faut bien redémarrer parce que l'Europe est déjà prête. Nous savons que d'ici la fin du mois, donc le mois d'août, il y a déjà en Europe ceux qui vont reprendre pour la nouvelle saison. Donc c'est bien que la Guinée pense également et que les pays comme le Gabon, comme le Cameroun, le Congo, le Sénégal également puissent cadrer ça. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une Afrique compétitive et il faut avoir un championnat fort, même si aujourd'hui on peut dire que en Guinée, c'est un très bon championnat. Vous allez voir que la grande majorité des joueurs africains, ils sont là-bas. Même si aujourd'hui, par exemple, on annonce par exemple, le départ de Bansé, voilà, c'est un joueur qui a fait sensation dans ce championnat. Donc c'est bien de le reprendre et je pense qu'il y aura quelque chose à gagner. D'accord. Donc on précise d'ailleurs que Bansé a pris la résolution simplement d'arrêter sa carrière internationale, mais également il a pris la résolution aussi de se retirer d'Oraya. François Binet, vous êtes du côté de Cameroun. Faut-il finalement calquer le modèle de la Guinée aujourd'hui pour l'étendre en Afrique quand on sait en fait qu'en dehors de la Guinée, il n'y a que le Libéria également qui a déjà annoncé la date de la prochaine saison de football. Mais parfait, il faut juste dire que
la Guinée, la fédération guinéenne ou bien la Ligue de football guinéenne est dans ses droits. C'est-à-dire que ça prouve que c'est une ligue qui est bien organisée. Ça veut dire que c'est une ligue qui a l'habitude de connaître d'avance le calendrier de sa compétition. Elle est bien dans ses droits. Elle fait bien de dévoiler son calendrier. Bien sûr, après, il faut rester attentif à la décision des autorités publiques qui, après, devraient décider oui ou non. Il faudrait reprendre ou pas en fonction, bien sûr, des évolutions de la pandémie dans le pays. Mais est-ce qu'il faut prendre le modèle guinéen? Il faut savoir que la Guinée est l'un des rares pays qui, en Afrique subsaharienne, qui réussit à monter crescendo l'organisation de son football, qui démontre avec, bien sûr, des clubs qui ont essayé de professionnaliser l'organisation, vision, notre lecture de l'organisation du football dans nos pays. Et la Guinée, pour moi, je considère parmi les 3-4 pays de l'Afrique du Sahara qui réussit à montrer quelque chose d'assez excellent. Et il faudrait bien que tout le monde essaye un petit peu de calquer ce modèle, qui est un modèle qu'on retrouve un peu dans les pays du Nord, qui, à la fin d'une saison, les semaines qui suivent, on a déjà quasiment le programme de la saison suivante. C'est déjà intéressant ce que fait la Guinée. Alors, Rogers, vous qui suivez l'actualité du Gabon, est-ce qu'on peut arriver à une situation où, par exemple, les autorités fédérales en matière de football au Gabon arrivent à justement prendre l'exemple de la Guinée pour démarrer les hostilités, quand on sait en fait que le championnat gabonais brille par une certaine irrégularité et que généralement les saisons démarrent très tard et on finit malheureusement très tôt? Mais écoutez, au Gabon, l'habitude. On dit d'abord que l'habitude est une seconde nature et que nous savons déjà qu'au Gabon, on prend du temps pour lancer un championnat et tout dernièrement, la fédération s'est prononcée. Elle ne va pas aller à l'encontre de décisions du gouvernement parce que pour la fédération, il faut d'abord respecter les autorités, mais penser aussi à la protection des joueurs. Donc, au niveau du Gabon, ça va être encore une période d'attente. Alors, lorsqu'on parle de reprise, Fabrice Guitry, on parle de d'octobre. Généralement, c'est octobre, c'est la période indiquée, hein, d'ailleurs, pour la Guinée et pour le Libéré également. Est-ce qu'on peut faire des prévisions sur cette date en estimant, par exemple, que la Covid-19 aura totalement disparu en Afrique? Je pense que oui, il faut faire des prévisions. Et le Gabon est inscrit également dans cette ligne où on annonce la reprise pour le mois d'octobre également. Novembre et octobre pour le National Foot 1 et 2 du Gabon. Mais on sait que pour le Gabon, c'est souvent une promesse en l'air. Voilà, on annonce, mais c'est février, comme cette année, c'est février qu'on démarre le championnat. Or, avec une prévision, François Binet le disait tout à l'heure, que c'est une prévision qui montre le sérieux d'une ligue. Parce que la ligue qui est l'organisatrice elle-même de ce championnat doit être à même de pouvoir donner de la force. Parce que tous ces athlètes, vous allez voir que au Gabon, quand on veut essayer d'aider les joueurs, on organise des petits championnats qu'on appelle les pré-saisons. Or, les autres sont déjà en activité. Donc, quand les joueurs reprennent le championnat, ils sont tous en forme. Mais nous, on arrive avec des joueurs, par exemple, pour prendre le cas de Manimé, qui est un joueur qui fait parler beaucoup. Mais cependant, c'est un joueur qui ne va pas au terme de sa saison. Voilà, donc il est capable de vous mettre quelques buts, mais au milieu de la saison, il est fatigué. Il y a le point de l'âge pour aussi, non, c'est vrai, mais parce que le joueur n'est pas habitué à ce rythme. Donc il faut bien prendre des précautions pour pouvoir mettre les joueurs en jambes, mettre les joueurs dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir une saison. François Binet, du côté de Cameroun, finalement, commencer une saison assez tôt permet aux joueurs quand même d'être assez compétitifs sur le long. Mais parfait, il ne faut pas oublier qu'il y a le calendrier international. Donc, le calendrier international, c'est le calendrier de la FIFA, le calendrier international, c'est le calendrier de la CAF. Et vous allez remarquer qu'il y a les compétitions internationales, que ce soit dans les 3 ou 4, 5 continents du monde, et vous verrez que les championnats, les pays les plus organisés, les régions les plus organisées, vous verrez que leur calendrier tiennent compte de toutes ces compétitions-là. Donc, vous ne pouvez pas démarrer un championnat en retard. Mais au bout de 2 ou 3 journées, vous l'avez déjà fini parce qu'en réalité, votre organisation fait que ça s'arrête à tout bout de champ sur le cas de certains pays. Mais c'est mieux d'avoir un calendrier préétabli qui respecte un certain nombre de qui vous permet de jouer un certain nombre de matchs qui rendent compétitifs non seulement vos clubs, mais les joueurs ensuite qui
sur le plan international se font valoir. Donc, d'où la pertinence d'avoir toujours un championnat régulier, d'avoir une organisation bien huilée qui fait que votre pays ou bien vos clubs soient des clubs compétitifs et l'équipe nationale, bien sûr, pour les pays qui ont encore des joueurs évoluant sur le plan local, d'avoir des joueurs compétitifs. Il faut juste dire que, parfait, c'est le problème que rencontrent beaucoup de pays d'Afrique au sud du Sahara, la professionnalisation dans l'organisation, qui parle déjà des clubs. Parce que c'est vrai que la Ligue peut vous sortir un calendrier. La Ligue peut vous sortir un calendrier. Ce calendrier peut paraître fictif. Mais en réalité, quelle est l'organisation au niveau des clubs pour que ces clubs rentrent dans l'organisation de ce calendrier? Quels sont les moyens de la LINAF pour pouvoir amener les équipes? Je parle de la LINAF, mais j'ai envie de parler de la Ligue, des ligues la de Ligue. Façon générale dans les rédacteurs du Sahara. Quelles sont les politiques de ces ligues pour permettre aux clubs de rentrer de plein pied dans un programme préétabli? Quels sont les moyens marketing, politique, la politique sportive? Bien sûr, ce n'est pas la LINAF, on va me dire que la politique sportive est déclinée par l'État, mais à l'échelle réduite, quelle est la politique de la LINAF, de la Ligue de football? Je prends le cas du Gabon, le cas du Cameroun, le cas des autres pays. Quelle est leur véritable politique? C'est vrai qu'on ne va pas mettre. On ne va pas les mettre tous dans un même panier. Il y a des ligues qui s'en sortent. Moi, je prends le cas de la Ligue du Sénégal. C'est une ligue qui s'en sort très bien. On sait que c'est un championnat très régulier. On sait que la plupart des pays ont des championnats réguliers. Mais il faut que désormais ces ligues essayent de passer un cap au-dessus pour pouvoir s'arrimer au calendrier de tout le monde. Si vous commencez tous en fin août, vous êtes sûr que quand vous avez un championnat de à peu près 18 clubs ou 12 clubs ou bien 10 clubs, vous êtes sûr que vous pouvez tenir, en intégrant bien sûr la clève, vous pouvez tenir au mois de juin, enfin même mai, vous avez fini avec tout le monde. D'accord. Donc dans cette période de mois de juin, mai, juin, presque tout le monde finit à ce moment-là. Et si vous rentrez dans ce calendrier-là, eh bien, écoutez, ça veut dire que vous êtes au moins dans une bonne petite organisation. Alors, justement, François a insisté sur la question d'organisation des clubs. On sait en fait que le coronavirus a été un grand révélateur des systèmes défaillants en matière d'organisation financière et autres. Roger Spondin, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les clubs disposent des ressources organisationnelles et structurelles, par exemple, pour penser à une reprise? Ben moi je vais m'appuyer un peu sur le Gabon et généralement au Gabon les clubs n'ont pas d'assises financières, donc les assises sont généralement on va les chercher vers l'État, on attend la subvention de l'État et il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas un plan de gestion sur 4 ou 5 ans et donc à ce niveau c'est toujours difficile pour un club d'être autonome. Difficile pour un club d'être autonome. Peut-être une réaction, Fabrice Sinté. Si on reste pour le Gabon, c'est difficile. Mais maintenant, ailleurs, François le disait, ce sont des clubs qui sont sérieux, qui savent que pour subvenir, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, il faut être indépendant. Et nous l'avons toujours dit ici dans cette émission qu'une entreprise est une organisation indépendante financièrement qui produit des biens et des services pour mettre sur un marché. Donc, si déjà le championnat gabonais n'arrive pas à vendre des joueurs comme les autres le font, ça va être difficile d'avoir des fonds propres. Si le championnat gabonais ne forme pas des pépites dans leur club, parce que vous avez même des clubs au Gabon qui ne respectent pas toutes les étapes pour avoir toutes les divisions à l'intérieur. Donc, c'est compliqué. Je pense que Rogers l'a si bien signalé. C'est compliqué pour les clubs gabonais, même s'il y en a deux ou trois. Mais quand on généralise, il y en a pas. Nous allons parler tout à l'heure de Gabon, mais avant, monsieur, nous allons aller dans la tribune d'Afrique, une tribune d'Afrique qui fait une escale du côté de la Côte d'Ivoire, où il y a un bras de fer qui existe aujourd'hui à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football est loin d'être terminé et pour cause, la FIPRO, Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, a annoncé la suspension de son syndicat membre, l'Association des footballeurs ivoiriens. À la suite de la décision du board de l'Association des footballeurs ivoiriens relative au parrainage d'un candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, nous prononçons la suspension de l'Association des footballeurs ivoiriens avec effet immédiat,
souligné en courrier de la FIPRO. Cette démarche initiée par la FIPRO reposant sur l'article 15 alinéa 3 de ses statuts est une manœuvre utilisée en cas d'urgence extrême. Il fallait impérativement limiter les impacts négatifs générés par l'élection du bureau de la FIF. Le démembrement de la FIPRO en Afrique a également condamné la décision de parrainage de l'Association des footballeurs ivoiriens accordée à Idriss. Le board de FIPRO Afrique se désolidarise de la position de AFI qui a refusé de parrainer Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIF, et privé son membre fondateur et vice-président du soutien légitime qu'il était en droit d'attendre de sa propre famille, lit-on dans un communiqué. Cette décision ne devrait pas avoir d'incidence sur le choix de l'Association des footballeurs pour les élections de la FIF. Au regard des filles, l'on peut clairement affirmer que ce dossier est loin d'être bouclé. François Binet, finalement, vous qui suivez cette actualité avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, est-ce qu'on peut dire qu'on va vers une histoire sans fin ? Il faut bien qu'il y ait élection à la Fédération ivoirienne de football. Il ne faut pas qu'à cause d'un seul homme, on va tout verrouiller. J'ai l'impression qu'on est rentré dans un système où c'est ou Drogba ou rien. C'est-à-dire qu'on est prêt même à bloquer le football ivoirien parce que Drogba ne serait pas candidat, parce que Drogba n'aurait pas obtenu son parrainage. Moi, je voudrais être la troisième voie. Je voudrais être ceux de la troisième voie qui voudraient voir un peu plus distant cette situation pour ne pas être partisan ou contre. Parce que je constate que Didier Drogba, s'il n'a pas encore de parrainage, est-ce que les textes de FIF Pro ou bien de l'association des footballeurs ivoiriens exige que dès qu'il y a un candidat, ancien footballeur ou footballeur en activité ou non, dès qu'il est candidat, l'association a obligation, a le dictat de soutenir cette candidature. Est-ce que c'est ce que le texte dit ? Moi, j'ai essayé de fouiller les textes. Malheureusement, je vais continuer à le faire parce que je n'ai pas réussi à entrer en possession de ces textes. Mais moi, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec les membres de l'association parce que l'adresse est disponible. Je vais essayer de le faire ici là, probablement demain, pour entrer en possession de ces textes-là. Parce que la FIF vienne aujourd'hui frapper sur la FIF provienne frapper sur la FIF aujourd'hui, sous prétexte parce qu'elle n'aurait pas soutenu Diéloba. Mais je voudrais prendre le cas d'Espèce. Au Cameroun, quand ça s'est produit, Antoine Bell n'aurait pas été soutenu par l'association des footballeurs au Cameroun. Mmh. On se souvient de ce qui a causé les tensions entre Samuel Eto'o et Roger Mila. Mais où était la FIF Pro à cette époque? Où était le président Jérémy Ndita FIF Pro Afrique? Ils étaient où? Non, moi je pense qu'on est rentré dans un système de... Il y a un système de lobby qui font que quand les intérêts d'un lobby sont menacés, on nous fait sortir les textes. Il y a beaucoup d'associations qui sont affiliées à la FIFPO qui ne respectent pas les règles de la FIFPO, mais qui continuent à percevoir, je ne veux pas citer des associations ici parce qu'il n'est pas question de parler de pour le moment, mais si l'occasion nous est donnée aux prochaines émissions, on en parlera. Il y a des associations qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent même pas leurs propres textes, qui sont dans une opacité terrible, mais qui reçoivent des subventions de la FIFPO. Mais ça, la FIFPO n'en parle pas. Il y a eu des problèmes au Cameroun. La FIFPO n'en parle pas. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi subitement la FIFPO devient le gendarme de la Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, les grands lobbies européens, des médias européens, des systèmes européens sont derrière Didier Drogba et viennent imposer des choses à la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a certains Ivoiriens, au risque de me tromper peut-être, mais il y a des Ivoiriens derrière qui sont contre cet état de fait. Tout simplement, je pense. Ils n'ont rien contre Didier Drogba, je ne pense pas. Mais cette manière de venir vouloir imposer une façon de faire, une forme de dictat, moi j'ai vu l'organigramme de l'association des footballeurs ivoiriens. Il est deuxième vice-président. Est-ce qu'il assiste aux assemblées générales? Est-ce qu'il assiste aux activités de cette association? J'ai vu qu'il y a plein de joueurs qui sont secrétaires généraux, il y a plein des anciens joueurs qui sont dans ces bureaux exécutifs. Il faut qu'on cherche le réel problème. Il ne faut pas qu'on reste à la surface
en disant c'est une question de jalousie, c'est une question de haine. L'Afrique ne veut pas avancer parce que c'est Didier Drogba qui viendrait faire avancer le football africain. Arrêtons de rêver. Didier Drogba ne viendra pas développer le football africain. S'il apporte, il a un apport à apporter, ce sera peut-être pour la Côte d'Ivoire. Et même là, on se souvient en Zambie. En Zambie, quand le Chaboya a permis à la Zambie de remporter la Coupe d'Afrique, est-ce que ça a apporté un développement sur le football africain? Non. La question. Parce que quand j'entends ce type d'hérésie où chacun, où j'entends, j'en dis oui, c'est une fois Didier Drogba président de la Fédération ivoirienne de football, c'est le football africain qui gagnerait. On gagnera quoi là-dedans? Rien du tout. Ce sera le bien-être peut-être pour la Côte d'Ivoire, d'accord. Mais pas nécessairement. Plusieurs présidents. Des fédérations et autres, pas nécessairement pour l'Afrique. Fabrice dit peut-être une réaction, on a l'impression en fait qu'il s'agit clairement du favoritisme à ce niveau. Oui, on comprend. Après, moi je m'accorde avec François Binet sur certains points parce que ce que la FIFPro vient de faire là, on comprend tout simplement, ce sont des faits divers qui continuent d'entraver le football africain dans son décloisonnement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette menace réellement ou encore ce qui pèse derrière ces menaces de la FIFPro, c'est le petit financement, le soutien que la FIFPro apporte à ces fédérations, à ces associations, pardon. Donc aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens, leur association, elle est indépendante, ils ont choisi, Didier Drogba était membre de l'association, ils ont raison quand même, j'ai échangé avec Rogers tout à l'heure, en disant, mais vous ne pouvez pas appartenir à une corporation, d'accord. Vous annoncez votre candidature à travers les réseaux sociaux, alors que votre groupe est là, vous ne les informez pas. Et aujourd'hui, quand François Binet parle de lobbying, bien sûr, c'est bien juste quand on voit que la même association, les arbitres qui avaient d'abord accordé son parrainage à Diabaté, revient sur ses décisions pour accorder maintenant en disant que l'autre là-bas, elle n'était pas souveraine, cette assemblée. Je trouve que c'est du n'importe quoi parce que réellement, il y a des gros groupes derrière qui veulent avoir Didier Drogba comme candidat et tirer les ficelles. Finalement, Roger Sponza, à travers ce bras de fer, on a l'impression que c'est comme s'il y avait des dessous dans le football en Côte d'Ivoire, notamment à travers les anciens footballeurs. Que se passe-t-il exactement? Comment comprendre cela? Mais c'est comme disait François Binet, c'est simplement une logique de lobby. Aujourd'hui, c'est un lobby qui veut porter Didier Drogba à la tête de cette fédération. Et on veut montrer par là que comme il a été un grand joueur, et forcément il doit avoir des solutions au football ivoirien et africain, ben, on comprend tout simplement que ce sont des lobbies. Et malheureusement, ça ne fait pas grandir le football africain. Et voilà, donc nous allons également suivre ce sujet avec beaucoup, beaucoup d'intérêt puisque cette situation commence à un tout petit peu entacher l'image du football africain puisque finalement, on n'a pas nécessairement besoin de faire preuve de violence et de force pour briguer la présidence d'une fédération de football. Et pour la suite, monsieur, nous allons simplement revenir du côté du Gabon dans lequel on trouve naturellement le siège social de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine, pour suivre cette fois-ci le point de la conférence de presse animée par Bouengueli Sport, le champion de l'édition 2019-2020 de football. Face à la presse, les dirigeants de Bouengueli Sport, vainqueurs du championnat gabonais de première division, édition 2019-2020, ont animé une conférence ce 22 juillet. Il était question entre autres de présenter cette formation de football créée en 2016 dans la province de Lougoué-Lolo, située au sud-est du Gabon. Bouengueli Sport, c'est un jeune club évidemment qui est né à Koulamoutou, au bord de la Bouengidi, le 31 octobre 2016. Il a fait ses premiers pas à Koulamoutou, en Ogouélolo, avec la saison 2016-2017, où il a été champion. Nous avons donc fait d'abord un travail nous-mêmes. Nous avons d'abord fourni des efforts. Et ce sont ces efforts-là aujourd'hui qui font la distinction. Pour rivaliser le talent avec les différentes équipes qualifiées à la prochaine édition de la Ligue des champions africaines, Bouengueli Sport est déjà à pied d'œuvre. Des recrutements sont d'ailleurs en perspective pour renforcer cette formation de football. Bouengueli a besoin d'avoir dans tous les compartiments de la ligne défensive, donc du gardien de but jusqu'à l'avant-centre, des joueurs aguerris capables d'aller dans cette compétition. On ne va pas dans une compétition comme ça si on ne garantit pas les compartiments arrière et avant. Donc forcément, il s'agit ici de recruter. Après, derrière,
c'est les besoins. Les besoins sont simples. C'est aujourd'hui, à tous les compartiments, Bungida a besoin de recruter. Et je pense que depuis un mois, comme l'a dit le président, je suis à pied d'œuvre. Et pour l'instant, c'est des discussions que j'ai avec les uns et les autres. Donc, je ne peux pas pour l'instant, là, comme ça, vous dire, j'ai déjà M. Dev que j'ai recruté pour jouer en pointe. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail est en train de se faire. Bouenguili Sport souhaite se positionner comme une référence en matière de football au Gabon, raison pour laquelle l'équipe nourrit l'ambition de conserver son statut de leader en championnat la saison prochaine. Le champion de football du Gabon édition 2019-2020 a profité de sa conférence de presse pour solliciter l'implication des acteurs du sport roi, notamment le ministère des Sports, la Fédération Gabonaise de football et la Ligue Nationale de football. Il faudra donc penser Gabon d'abord et combiner les énergies en soutenant cette équipe de football qui participera à sa première campagne africaine avec la lourde responsabilité de représenter valablement la nation gabonaise. Monsieur Bouenguili Sport, champion de Gabon édition 2019-2020, première campagne internationale. Fabrice Ritri, on va commencer par vous. Est-ce qu'on peut avoir quand même votre point de vue sur cette conférence de presse de Bouenguili Sport qui souhaite justement la combinaison de toutes les énergies positives pour propulser cette formation de football vers le haut lorsqu'il s'agira de la campagne interclub? Oui, déjà la Bouenguili a déjà eu la bénédiction du coronavirus qui l'a permis d'être à ce titre également. C'est vrai qu'elle avait 15 points parce que n'oublions pas que la Bouenguili devait croiser également d'autres équipes, on ne sait pas. Donc aujourd'hui c'est une équipe intéressante la Bouenguili, et en entendre cette conférence de presse pour les Gabonais qui ne savaient pas que la Bouenguili et de naissance de 2016. Vous voyez que c'est un club aujourd'hui qui a montré qu'on peut naître pas longtemps, mais faire des belles choses. Aujourd'hui, quand on regarde le management qui est à l'intérieur, la qualité des professionnels également, ça montre qu'il y a des ambitions. Donc aujourd'hui, la Bouenguili sait qu'elle est sur un terrain qui devient glissant. Ce sont des adversaires que la Bouenguili va découvrir. Donc la Bouenguili devrait compter sur tous les Gabonais, l'ensemble des Gabonais, pour soutenir. Mais surtout, la Bouenguili devrait compter sur l'État. Quand je parle de l'État, c'est le ministère des Sports. Donc franchement, que nous connaissons, même si moi je l'ai toujours dit ici, que c'est le ministre que le Gabon ne devait pas avoir en matière de sport, parce que ça ne suit pas. D'accord. On a l'impression que c'est un ministre qui est venu pour un marketing politique pour le gouvernement de la République et non pour les actions qui favorisent le développement du sport. Moi j'avais applaudi quand il arrivait à la tête du ministère. Je pensais que comme il vient du privé, qu'il allait apporter cette énergie positive pour développer le football gabonais. Donc aujourd'hui, la Bouenguili est là. Mais il n'y a pas que la Bouenguili, il y a Manga également qui va accompagner la Bouenguili. Donc il faut soutenir ces clubs, même si aujourd'hui, Manga peut avoir son sponsor, qu'on ne va pas citer, qu'on connaît bien. Mais de l'autre côté, la Bouenguili a besoin, parce que ce n'est pas l'eau du fleuve qui viendra financer la Bouenguili pour avancer. Il faut qu'Nguema se mette la main à la pâte, mais également le président du fonds, parce que on a aussi besoin de lui. On a subi, donc le président du fonds également doit être là pour accompagner cette équipe, mettre toutes les ressources possibles. Rodgers Mwanza, finalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Bouenguili dispose des arguments pour aller challenger les autres équipes sur le plan continental, en Ligue des Champions? Bah écoutez, la conférence de presse a situé tout le monde. Aujourd'hui, présentement, l'effectif de Bouenguili, non. Le manager général l'a bien signifié. Mais il est actuellement en train de travailler là-dessus. Il nous a promis de présenter une équipe qui va rester fidèle à sa philosophie de jeu. Et que là, dans cet effectif 2000 de cette campagne africaine, ils vont aller chercher des joueurs aguerris pour accompagner le club dans cette compétition. C'est-à-dire que nous croyons, parce que Bouenguili depuis 4 ans, depuis la Détroit, a montré un sérieux, et on ne va pas se voiler la face, son manager général Saturnin Ibella a des idées bien claires, et donc je crois qu'à ce niveau nous pouvons, en parenthèse, avoir confiance à Bouenguili Sport.
Et on va dire, oui, peut-être quelque chose. Moi, par contre, là où ça me fait peur, quand Roger Samy l'a bien fait de le signaler, c'est sur ce nouveau recrutement que la Bouingidi compte faire. Moi, bon, je ne voudrais pas que la Bouingidi fasse l'erreur de faire un recrutement qui viendra chambouler, n'est-ce pas, cette équipe, cette belle formation voilà, qui est déjà là. Oui. Voilà, les garçons se connaissent très bien, ça évolue très bien, ils ont de la cohésion. Je disais que la Bouingidi, c'est une équipe qui ne joue pas avec l'espérance d'avoir 100 millions de salaires l'année, d'accord ? Ils ne comptent que sur leurs primes, on les a promis des primes, donc vous gagnez les matchs, donc c'est comme ça qu'ils jouent, et ce dynamisme est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux bien, oui, il faut recruter, d'accord ? Mais ne voyons pas la Bouingidi se faire imposer un joueur qui vient de la OSMS, un joueur qui vient de Likaki, qui vient... On peut facilement dérégler l'équipe, à ce niveau. Justement, à ce niveau-là. Mais ok, il faut aussi aller regarder à l'extérieur, parce qu'il y a des joueurs libres qui veulent bien participer au championnat gabonais, mais il faut des joueurs qui ont de la poigne, qui ont de l'expérience, capables d'apporter cette équipe. La Bouingidi ne sera pas la première équipe à venir découvrir un tel championnat. Donc, il faut faire confiance aux garçons, il faut les aider seulement, et il faut faire le recrutement, je suis d'accord, mais pas un recrutement qui viendra faire que les titulaires qui étaient là n'arrivent plus à avoir cette place. Enfin, moi, je me voudrais bien revenir un peu sur les propos du manager qui a bien précisé qu'il reste dans la philosophie du club, et qu'à ce niveau, on ne va pas se voiler la face, c'est une grande compétition. Lui, il a déjà précisé que son équipe a un effectif 100% gabonais, donc il n'y a pas des joueurs étrangers dans son équipe déjà, et qu'ils sont dans une politique de sport-études. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui apprennent ou bien qu'ils ont remis dans le système scolaire. Et donc, avec cette campagne africaine, il ne veut pas changer la philosophie, mais il veut apporter de l'expérience dans son effectif, que ces personnes qui arrivent, en fait, doivent donner, partager la connaissance. Ils doivent simplement épouser la philosophie existante. Effectivement, déjà, épouser d'abord la philosophie, mais partager aussi les connaissances acquises. C'est-à-dire que si on prend un joueur, un attaquant comme Bansé, son apport, en fait, le jeune Gabonais qui est à côté, qui va être la doublure, doit acquérir cela au sortir de sa saison. Parce que le manager a bien précisé que ces renforts, c'est en gros pour 1 ou 2 ans et ils repartent, parce que le club a d'autres ambitions que de jouer avec beaucoup de joueurs étrangers. Fabrice, vous avez quelque chose à dire quand même par rapport à cela, ou bien avant ? Non, moi j'ai juste envie de dire que on le sait toujours que c'est difficile de tenir les promesses quand on est simple manager, parce qu'on sait qu'il y a souvent à l'intérieur des décideurs. Mais je crois, je connais bien M. Ibella pour l'avoir côtoyé un peu dans le milieu du sport. Je connais ses capacités d'innovation, mais également son fort tempérament. Et c'est un coach d'une grosse trempe aujourd'hui que le Gabon respecte. Mais je reste toujours statué sur ma position. Voilà, que le club ne se fasse pas influencé par ces personnes, parce que nous savons que derrière il y aura des gens, mais aujourd'hui vous allez voir que ces joueurs, parce qu'ils ont joué depuis 4 ans voilà, sans complexe, d'accord. Ils n'ont pas de star, d'accord, on va dire que tel va venir influencer, voilà, donc ce collectif peut exploser, peut surprendre. Nous avons vu, même au niveau des compétitions européennes, des petites équipes venir surprendre tout le monde. Et la semaine dernière, on l'a dit ici, par exemple avec Leicester, quand il devient champion d'Angleterre, voilà, même si c'est un club qui revenait de la deuxième division anglaise, mais qui était d'abord en quatrième, vous voyez, donc c'est ça, il faut faire confiance aux jeunes, ils peuvent aller faire quelque chose en compétition. Chaque équipe a son histoire, et donc l'histoire de la Bouingidi fera certainement école demain, et c'est au fil du temps que l'on acquiert une certaine expérience. Mesdames, messieurs, nous allons transiter du côté de la Namibie pour suivre également un autre sujet. Il s'agit simplement de la fédération qui a désavoué la ZIC. Au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le week-end écoulé, la Fédération de football de Namibie a retiré le droit de membre à la Ligue. La première instance du sport roi en Namibie reproche à la Ligue de l'avoir attaqué en justice. Pour comprendre les faits, il faut remonter à la saison 2018-2019. La Ligue avait refusé de renouveler le statut de 2 formations de football contre l'avis du bureau fédéral. L'affaire avait par la suite été portée au tribunal arbitral du sport pour un arbitrage objectif. À l'issue de l'assemblée
générale organisée par la Fédération de football, 19 membres ont voté en faveur du retrait de plusieurs membres de la Ligue. Patrick Kauta, Peter Nakura, Gabriel Djombe, Boni Polino et Harald Fuller ont également été exclus de toute activité sur le territoire national. La Fédération de football de Namibie a également profité de cette rencontre pour dévoiler la grille de répartition des fonds anti-Covid-19 octroyée par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football. François Binet, vous qui êtes du côté du Cameroun, en Namibie, la fédération a désavoué la Ligue. Finalement, c'est une histoire qui revient assez souvent en Afrique. Oui, souvenez-vous, lors de la création de la LINAF au Gabon, la Ligue nationale de football, dont le premier président était Pierre-Alain Moungengui, on a connu cette situation. Il y a eu ce conflit qui est né déjà dès la première année. Et vous savez toujours depuis qu'il y a toujours eu ce petit conflit entre les ligues et la boxe. C'est le cas actuellement même au niveau du Kenya et de l'Afrique du Sud qui ont ce même problème de cohabitation parce qu'il y a la fédération et la tutrice normalement d'une ligue, mais souvent la ligue réclame son autonomie dans la gestion. Donc du coup, après, il y a ce petit conflit de leadership qu'il y a souvent entre la fédération et la LINAF. Mais il faut quand même reconnaître le droit à la LINAF d'être l'institution suprême, c'est-à-dire que c'est celle qui coiffe en général. Même si elle a dévolu la gestion des championnats aux ligues, mais il faut reconnaître l'autorité de la fédération de football dans ces conditions. Donc, effectivement, les 19 membres de la fédération namibienne de football ont fait le choix de sortir la ligue de l'exécutif parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être dans l'exécutif et porter plainte contre l'exécutif sur une question de règles. C'est-à-dire que si la fédération reconnaît le droit et le statut de deux clubs, vous, en retour, soit vous partez dans la négociation en apportant des éléments contraires qui vous amèneraient à montrer à la fédération qu'elle adore, que de porter plainte. D'accord. À votre hiérarchie au niveau du TAS. Donc, ce type de conflit, je pense qu'au niveau de l'Afrique, il faut pouvoir. C'est pour ça que moi, par exemple, dans le cas du Gabon, j'ai toujours souhaité que la LINAF devienne une commission à la fédération pour éviter chaque fois qu'on rentre dans ce genre de conflit. Finalement, Fabrice, faut-il, dans ce genre de situation, privilégier le consensus ? Oui, je m'accorde également avec ce que François disait, mais n'oublions pas aussi que c'est ce que nous reprochons aux dirigeants africains, ce côté de dictature, voilà, parce que aujourd'hui également, ce conflit naît déjà au début, parce qu'il y a deux clubs qui sont amis de la fédération, amis du président, qui refusent également de se soumettre au texte de la Ligue. Donc, on comprend par là les affiliations, les engagements, et je pense aussi, donc ces deux clubs, parce qu'ils sont bien connus au niveau de la fédération, refusent de se soumettre. Donc, c'est un scandale qui naît comme ça quand on connaît le niveau du football namibien, voilà, et qui nous ont tous émerveillés lors des éliminatoires de la dernière CAN. Voilà, c'est un pays vraiment qui avec un bon niveau de football. Donc le fragiliser avec de tels faits divers, ça fait quand même assez bizarre et étrange aujourd'hui. Donc je pense bien, comme François l'a dit, il faut que la Ligue aussi puisse reconnaître qu'il y a une autorité, c'est la fédération, et que la fédération également accepte l'indépendance donnée par sa Ligue. Donc aujourd'hui, parce que c'est la Ligue qui organise. Donc j'ai envie de dire tout simplement, là-dedans, c'est que ce problème naît, c'est à cause de la familiarité qu'il y a d'abord, parce que je connais. Donc il faut briser, on va dire, on saute directement, voilà, on saute directement les personnes pour aller directement chez le président, et derrière on vient imposer, et François l'a bien dit, il ne faut pas imposer, il faut aller au dialogue. D'accord. Comprendre ce qui se passe et trouver une solution, parce qu'aujourd'hui c'est le foot africain qui ne fait que prendre du retard. D'accord, monsieur. Donc, on va également aller du côté, on va dire quoi, de la République démocratique du Congo, mais également du côté du Maghreb, puisqu'on va parler tout à l'heure d'un sujet en rapport avec la Confédération africaine de football qui s'est prononcée au sujet des incidents enregistrés lors de la confrontation Tout-Puissant Mazembe et Raja Athletic Club.
La commission de discipline de la Confédération africaine de football a tranché au sujet des incidents enregistrés lors des quarts de finale retour, opposant le tout-puissant Mazembe au Raja Club Athlétique en Ligue des champions africaines le 7 mars dernier. Le jury disciplinaire de la première instance du sport en Afrique a confirmé que Lias Haddad va pouvoir disputer les prochains matchs de Ligue des champions avec le Raja Club Athlétique. Le joueur n'est donc plus sous le coup de cette sanction qui avait été prise provisoirement et pourra jouer les demi-finales aller contre la formation du Zamalek. La Confédération africaine du football s'est également prononcée sur la sanction du club de la République démocratique du Congo. Un communiqué de la CAF indique que le tout-puissant Mazembe a écopé d'une amende de $10,000 pour défaut de sécurité lors de la confrontation. $10,000 d'amende ont également été imposés au Raja Club Athlétique pour comportement malheureux affiché par ses joueurs. C'est d'ailleurs leur réaction qui a déclenché la colère des supporters du club de Lumumbashi qui avaient farouchement riposté. Précisons qu'à ce jour, aucune des deux équipes ne s'est prononcée sur la décision du comité de discipline de la Confédération africaine de football. François Binet, on se rappelle de cette confrontation et on se rappelle également que le ton était très vite monté entre les supporters du tout-puissant Mazembe et les joueurs du Raja Club Athlétique. Finalement, la CAF se prononce, notamment à travers son comité de discipline. Aujourd'hui, le joueur du Raja Club Athlétique a la possibilité de jouer lorsqu'on sait en fait que son club est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est une bonne nouvelle quand même? Oui, mais bon, parfois il faut comprendre que la CAF, je trouve que la CAF a du mal aujourd'hui dans la configuration actuelle de l'exécutif de la CAF à gérer les conflits qui sont nés après sa prise de pouvoir. Il faut dire que Yad Haddad a été bien sûr d'abord dans ce premier temps suspendu parce qu'effectivement les vidéos montrent clairement qu'il fracasse les supporters du TP Mazembe par un coup de poing. Il faut d'abord dire que c'est l'équipe dirigeante du TP Mazembe qui saisit en premier la CAF pour refuter les allégations de Rajawit qui refuse de regagner les vestiaires sous prétexte qu'il y aurait quelque chose qui les mettrait en difficulté, donc autant rester dehors. C'est pas réglementaire tout cela. Et il faut reconnaître que le Raja, le Wydad, ont toujours été des clubs difficiles à gérer, surtout quand elles ont pris une avance dans un match à leur retour. Souvenez-vous, ils ont fait ce cas de figure. On l'a eu à Libreville face à Osef Mounana. Où, lorsqu'ils étaient à 0-0, les Rajawites s'amusaient, ne jouaient pas, et puis soudainement, Mounana marque un but. Et là, on a vu des supporters même du Raja envahir le terrain. Ils sont à l'extérieur, s'il vous plaît, je me souviens, j'étais même dans la même tribune qu'eux. Ils ont envahi et poursuivi l'arbitre, et ils n'ont jamais été sanctionnés. Aucun rapport n'avait été fait contre eux, je me souviens, c'était à Libreville. Et là, on se retrouve encore, parce qu'ils tiennent beaucoup à leur qualification, ils sont prêts à tout type de comportement, parfois poussant même l'adversaire à aller à des déviations qui, finalement, vont être aussi sanctionnées. Donc, il faut dire que la CAF a du mal à gérer les patates chaudes. La CAF, aujourd'hui, a du mal à contenir ce genre de comportement. Et moi, je trouve quand même que c'est décevant que la CAF ne sache pas aller au bout de ces sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions parfois exemplaires. Et moi, pour ma part, j'aurais accepté, par exemple, que le Raja prenne des sanctions plus lourdes que celles qu'on va infliger aussi au TP Mazembe parce qu'ils sont coutumiers des faits. Fabrice Ritri, finalement, deux poids deux mesures. On a l'impression que le comité de discipline de la Confédération africaine n'a pas clairement fait son boulot. Oui, là, il y a deux poids deux mesures. Et François encore l'a si bien souligné. Aujourd'hui, moi, je trouve que la CAF n'est pas allée de pied ferme avec le joueur marocain, Yad Haddad, parce que c'est lui qui est l'auteur de ces incidents malheureux du 7 mars dernier, en venant mettre en sursaut les supporters de l'équipe. Donc, je pense que là, il y a quand même... Une affaire bizarre parce que aujourd'hui il faut c'est bien oui on a sanctionné le club mais il y a quand même une injustice quelque part parce que le 1-0 que le Mazembe a gagné ne permet pas Mazembe de se qualifier pour le second donc je trouve que c'est quand même assez bizarre aujourd'hui que Akhmad depuis qu'il est arrivé à cette institution
il est poussé ou il est accusé à tout moment des événements malheureux, que ce soit les pots de vin, les choses. Donc il est entaché de beaucoup des faits vraiment qui en, ne donnent pas cet homme comme ce leader, hein, on va dire ce leader que la CAF attendait. Donc c'est loin d'attendre, mais aujourd'hui la sanction est là, c'est au sein de club. Peut-être que Mazembe fera également encore appel pour cette décision, mais pour l'instant il n'y a pas, et on se dit que ça va aller, mais il faut que la CAF puisse regarder ce problème dans le fond, parce qu'on a compris réellement ce qui s'est passé, et François l'a bien dit en prenant l'exemple ici à Libreville. Donc ces clubs sont habitués à ce genre d'incidents, parce qu'ils savent que derrière il y a des pots de vin qui vont monnayer au niveau de la CAF, et on étouffe le problème. Et puisqu'on parle de la CAF, eh ben, sachez que l'instance a récemment dévoilé sa stratégie pour redynamiser le football féminin. Vivement critiquée après avoir annulé la prochaine édition de la Coupe d'Afrique féminine de football, la CAF vient de dévoiler sa stratégie pour le football féminin africain. La Confédération africaine de football suggère 5 piliers, notamment le développement, les compétitions, le marketing et la promotion, la professionnalisation, le leadership ainsi que l'impact social. S'agissant du développement, l'enjeu consiste à accélérer la croissance du football féminin sur tout le continent. Il faudrait à cet effet insister sur la formation et renforcer le personnel technique. La CAF souhaite également augmenter le nombre de compétitions féminines pour les clubs en introduisant notamment la Ligue des Champions. Une priorité est donc accordée à la diversification des compétitions puisqu'elles sont au cœur du développement du football. L'instance dirigée par Amad Amadantan a également créé une marque de football féminin forte et fédératrice. La CAF souhaite aussi travailler sur les fondamentaux du football féminin, notamment à travers la normalisation des structures. Il faudra donc collaborer avec les parties prenantes pour professionnaliser les structures entourant le football féminin, sur et en dehors du terrain pour augmenter le nombre d'admiratrices. À travers sa capacité à fédérer, le football est plus que jamais un facteur d'intégration sociale. La Confédération africaine de football a donc l'ambition de partir du pouvoir du sport roi pour créer un impact social positif sur les femmes et les filles africaines. Un accent sera également mis sur l'éducation des jeunes filles en vue de promouvoir l'autonomisation. Rogers Monza, finalement, une belle réponse quand même de la Confédération africaine quand on sait en fait que l'instance a récemment annulé la Coupe d'Afrique qui devait se tenir. Effectivement, sur ce plateau, il y a 2-3 semaines, je le disais, vous savez, cette proposition de la Confédération est la bienvenue. Le football féminin aujourd'hui, moi je suis dur, mais il n'est pas encore celui qu'on attendait, et donc la CAN pour moi n'est pas urgente en fait par rapport à la CAN féminine. Et là, la Confédération dévoile un programme d'accompagnement, de développement du football féminin. Moi je trouve que il revient maintenant aux responsables du club et aux fédérations nationales de rentrer dans le moule que présente la Confédération. François Bilaine, c'est une bonne nouvelle quand même pour le football féminin ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que, parfait, il faut pas oublier, vous remarquerez ce qui s'est passé en Coupe du Monde en France. Vous avez vu la Coupe du Monde féminine, ce qui s'est passé, c'est un mouvement. Jamais une compétition féminine sur le plan mondial n'aura été aussi populaire que celle que la Coupe du Monde qui a été organisée en France. Ça veut dire que de plus en plus le football féminin prend de l'ampleur, mais il ne faut pas que l'Afrique reste en marge. Ils ont énuméré 5 piliers, mais les 5 piliers, en réalité, il y a 3 qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire que, premièrement, le développement. Deuxièmement, la professionnalisation et le leadership. Ça, c'est des éléments fondamentaux pour moi, selon mon entendement, parce qu'il faut passer par ces éléments-là pour pouvoir ensuite vendre ce football. Donc, passer ensuite par le marketing. Après le marketing, ça devient les compétitions. Parce que quand vous faites du bon marketing, la compétition est vendue et elle devient populaire. Donc, pour moi, c'est d'abord le développement. Il faut développer. Ensuite, il faut passer par la professionnalisation. La professionnalisation, c'est la base. C'est-à-dire que dans l'organisation, il faut donner des outils idoines. C'est pour ça que lorsque, dans le reportage, j'ai entendu parler de la formation. Donc, il faut passer par la formation et il faut que la CAF aussi associe davantage ces associations, c'est-à-dire que les fédérations, pour qu'elles comprennent la nécessité de développer le secteur féminin du football. Parce qu'ils reçoivent de l'argent, des subventions pour le développement du football, le football féminin, mais très peu de fédérations allouent entièrement ces moyens pour
le développement du football féminin. Et il faut qu'on encourage via les fédérations, les clubs à développer aussi. Parce que si la fédération seule ne pourra pas les clubs, n'a pas vocation à avoir des centres de formation, mais peut-être des centres techniques. Mais il faut que tout le monde se mette pour que, effectivement, le football féminin décolle. Parce que vous remarquerez que chaque saison, c'est toujours ça, chaque édition des CAN, c'est toujours c'est toujours assez c'est toujours le Niger. C'est toujours assez compliqué. Donc, ce sont les mêmes pays qui arrivent à abriter les compétitions. Fabrice Kitty, peut-être aussi une petite réaction quand même par rapport au football féminin. Par contre, je pense que c'est une stratégie pour essayer de sauver les meubles. Parce que, en annulant déjà cette compétition qui est la CAN, la CAF a reçu beaucoup de plaintes, beaucoup de mécontentements des personnes qui sont du football. Donc, elle essaie de trouver des stratégies pour essayer de sauver les meubles. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, je suis d'accord qu'ils mettent cette stratégie, d'accord. Mais quel est également le plan de surveillance qu'ils mettent derrière pour que ce développement y arrive? Parce que quand vous avez des fédérations telles que, on va prendre par exemple la Guinée-Conakry, où vous avez des filles, vous avez du talent, comme vous trouvez, mais à l'intérieur, il n'y a pas de championnat pour les féminins. Si on prend par exemple la Gambie également, vous avez, et pourtant en Gambie, vous allez trouver beaucoup de Sénégalaises naturalisées qui sont en Gambie, qui veulent jouer au football, mais il n'y a pas de structure à l'intérieur. Donc aujourd'hui, François parle de la professionnalisation, mais la professionnalisation c'est quoi? C'est déjà aussi les salaires. Il faut bien établir les salaires des joueuses pour que ces joueurs, ces joueuses ont l'envie et soient compétitifs. Parce que déjà l'envie est là, on peut déjà le reconnaître que l'envie est là, parce que c'est des filles qui viennent, par exemple, pour le Gabon, comme le gars du Gabon, c'est des filles qui payent le taxi elles-mêmes pour venir s'entraîner et n'ont pas de bus qui vont les chercher à la maison et n'ont pas de salaire. C'est vrai qu'il y a quelques clubs qui essaient de faire des petits forfaits à des filles. Donc il faut que la CAF nous mette également ce plan stratégique de surveillance, de suivi, que tout est bien fait. La formation également. Dans cette formation, quels sont les clubs formateurs? Parce que vous avez aujourd'hui, si on prend par exemple Missile, je ne pense pas, voilà, du Gabon, je ne pense pas que Missile, côté féminin, il y a ce plan formation. On peut dire qu'Altesse, oui, c'est, à ce côté formation et autres, aujourd'hui avec l'élite qui vient d'arriver, qui est également un bon club, et là je remercie également tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est bien. Ils ont mis une nouvelle stratégie, mais n'oublions pas que derrière, il y a beaucoup de choses. Il faut un travail de fond. Enfin voilà, si on prend par exemple l'exemple à copier, celui du Sénégal ou encore du Mali, qui suivent leurs équipes nationales depuis les U15. Donc vous voyez que là, il y a un bon suivi. Quand les filles arrivent en équipe nationale première, elles ne sont pas méconnues du public. Alors donc monsieur, on va aller rapidement au pas de course vers le dernier virage de cette émission sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Donc c'est le tour d'horizon, un tour d'horizon qui va nous permettre de nous arrêter d'abord en France pour la coupe qui a récemment opposé le Paris Saint-Germain à Saint-Étienne. Nous l'avons d'ailleurs assisté, c'était le 24 juillet dernier. Nous avons eu une belle rencontre qui opposait Paris Saint-Germain à Saint-Etienne. Rodios Mwanza, peut-être ton avis, puisque finalement, le Paris Saint-Germain a remporté cette finale. Le Paris Saint-Germain a gagné difficilement, il faut le reconnaître difficilement. Je n'ai pas reconnu le Paris Saint-Germain de l'avant-Covid, je n'ai pas reconnu le Paris Saint-Germain d'il y a 2 ans. C'était vraiment un match où Bouanga a permis à Paris Saint-Germain de gagner cette compétition. Arsenal également jouait contre Watford et on a vu le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang s'illustrer positivement grâce à un but retour acrobatique. Ouais. Quelque chose à féliciter. Oui, c'est à féliciter parce que c'est le soulier d'Angleterre. Donc c'est un joueur aujourd'hui qu'on connaît que le mercato va se 99 points. Manchester City avec 421 points. Manchester United avec 66 points. Chelsea avec 66 points. Ces 4 équipes sont systématiquement qualifiées pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Il faut rappeler au passage que Leicester et Tottenham vont aller jouer l'UEFA Champions League. C'est cela? Oui, mais c'est plutôt une déception pour les Foxes parce que on les attendait au top niveau. Malheureusement, ça. Voilà, on comprend que dès que Harry Kane est blessé, systématiquement, ça ne joue plus quoi. D'accord. Alors, messieurs, nous allons rapidement basculer à la dernière rubrique de ce programme des sports sur
label radio et télévision. On aurait voulu vous entretenir davantage longtemps, mais malheureusement, on est pris par le temps. Et c'est la rubrique Tableau d'honneur qui s'arrête sur un Togolais qui a marqué positivement l'histoire d'un club en France, précisément du Paris Saint-Germain. Pour la nouvelle génération, si le Paris Saint-Germain existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à cet homme, Otniel Dossévi, ancien international togolais et premier joueur africain du club. Avant le récent match amical du PSG contre Celtic, Dossévi a été applaudi par les 5000 spectateurs autorisés à assister au match. Il a d'ailleurs donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Âgé de 73 ans, il a également porté les couleurs du Togo. Il est par ailleurs le premier buteur du PSG au Parc des Princes en championnat, enceinte du club en 1973. Mais au-delà de sa carrière de footballeur, Dossévi est agrégé en lettres. Il a d'ailleurs enseigné à la faculté des lettres et sciences humaines de Dakar au Sénégal. De retour en France en 1980, il va être obligé de repasser des concours pour enseigner dans divers établissements et dans plusieurs académies avant de finir au lycée Camille Julian de Bordeaux. C'est donc en parallèle qu'il va mener une petite carrière de joueur de football, dont le fait le plus notable est d'avoir été le premier joueur d'origine africaine du Paris Saint-Germain. Cet ancien professeur de français et de lettres grecques et latin a été joueur du PSG entre 1972 et 1975. Il va livrer 17 rencontres pour 6 buts marqués. Son nom ne dit peut-être rien à certains fans, mais pourtant Otniel Dossévi restera toujours le premier buteur du PSG au Parc des Princes. François Binin, Otniel Dossévi, on vous pose la question à vous parce que vous êtes naturellement plus âgé que nous ici sur le plateau. C'est quand même un joueur qui a marqué positivement l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que même après lui, il y a des autres Africains qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est toujours bien de la reconnaissance de tels joueurs. Et c'est bien ce que le Paris Saint-Germain a fait de lui donner l'occasion, surtout aux nouvelles générations, de découvrir que ce club n'existe pas seulement avec les Qataris, mais que le club aussi a une petite histoire. Et la petite histoire est souvent écrite par des hommes. Et lesquels hommes sont, dont l'exemple est... Monsieur Dossévi. Et donc, c'est ça aussi la reconnaissance que le Paris Saint-Germain a dû bien faire pour cet homme et qui a effectivement a été le premier des Africains à porter, à arborer la tunique parisienne et de pouvoir être même le premier buteur au Parc des Princes de l'époque. Et c'est tout simplement à l'honneur de Paris Saint-Germain d'avoir initié cela pour la reconnaissance d'un tel joueur. Monsieur, c'est sur ce tableau de nord que nous allons refermer ce magazine des sports sur la belle radio et télévision. Fabrice Kriti, nous vous remercions d'être passé sur le plateau. Merci. Rogers Mwanza, c'était un plaisir pour nous également de vous avoir sur le plateau. Merci pour l'invitation. François Binin, vous nous appeliez depuis Douala, c'était au Cameroun. Merci d'avoir participé à ce programme. Merci à vous, parfait. Merci à toute l'équipe et surtout mes salutations à l'équipe technique de Label TV, surtout celle qui réussit cette émission de Focus Sport. Et nous, on dit simplement merci aux fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée et surtout merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières en ce temps où la Covid-19 continue sa progression sur le continent africain. Allez, bonsoir chez vous et surtout, gardez le sourire.